se font positivement remarquer et contribuent au développement du continent, eh bien, les lauréats de l'édition 2020 ont reçu leur trophée ce week-end. Le NEC à Bazao. 22 personnalités distinguées dans trois différentes catégories, hors espoir, hors senior et hors spécial. Africa Korede Awards célèbre le panafricanisme, la culture et les valeurs endogènes. Les lauréats universitaires, acteurs culturels, motivateurs et traditionnalistes reçoivent ici chacun le Grand Prix africain correspondant à leur profil. Africa Korede Awards parce que la culture est la base de tout développement. Nous avons décidé depuis 2016 de commencer par célébrer nos patriarches, de commencer par célébrer les panafricanistes, ceux qui ont émergé, ceux qui ont réalisé de grandes œuvres pour le développement de l'Afrique. Parce que c'est la seule manière pour nous, pour motiver la jeunesse, lui montrer le chemin, pour que les dérives de la distraction inutile, les dérives de la précarité ne nous consomment pas. Pour les récipiendaires de la 5e édition, l'initiative est à saluer. Pour eux, cette reconnaissance est une invite à maintenir le cap pour le développement du continent africain. Je voudrais dédier ce prix à tous mes collègues. Mes collègues enseignants à l'université d'Aoumé Calavi, mes collègues environnementalistes au niveau de la Banque mondiale, mes collègues qui s'évertuent dans la défense de l'environnement. Recevoir un prix, c'est bon, mais il faut toujours chercher à monter. À défaut de monter, il faut garder le cap. L'édition 2020 de Africa Korede Awards est baptisée édition spéciale Maître Robert Dossou et dédiée à l'ancien président de la Cour constitutionnelle. J'ai été ému. Il y a une philosophie derrière, c'est de promouvoir des valeurs. On ne peut pas construire une nation sans amener tout le monde vers des valeurs. Vraiment, j'ai été comblé. Un colloque de formation des rois et traditionnalistes sur la médiation culturelle et les thérapies sociales à valoriser en période électorale a inauguré cette cérémonie de distinction.